Bonjour, je m'appelle Dimitri Lascaris et je me présente à la course à la direction du Parti vert du Canada. Aujourd'hui, je me trouve à l'entrée du consulat américain à Toronto. En 2017, l'ambassade des États-Unis au Canada a envoyé une note de service à Washington informant que le gouvernement Trudeau avait adopté une politique étrangère, l'Amérique d'abord. Dans un sens, ce n'était pas une nouvelle car le Canada avait depuis longtemps une telle politique. Ce qui était nouveau, c'est que le gouvernement Trudeau était prêt à adopter cette politique pour un président comme Donald Trump, sans doute le leader le plus dangereux du monde. En 1967, le docteur Martin Luther King a déclaré courageusement que son gouvernement était le plus grand pourvoyeur de violence au monde. C'est aussi vrai aujourd'hui qu'à l'époque. L'Irak, la Libye, l'Afghanistan et Gaza témoignent tous de cette terrible réalité. Le Canada est une nation souveraine. Nous, Canadiens, sommes profondément attachés à la paix, à la justice et à la primauté du droit. C'est pour cela que nous avons émis aujourd'hui une plateforme qui appelle à l'application universelle des droits de la personne et du droit international sans exception. Notre plateforme appelle aussi à l'adhésion immédiate du Canada au traité d'interdiction des armes nucléaires. Elle demande le retrait du Canada de l'OTAN, une alliance militaire désuète, agressive et à forte intensité de carbone. Et notre plateforme appelle à une réduction de 50% des dépenses militaires, parce que nous n'avons pas besoin de 19 milliards de dollars d'avions de combat défectueux. Ce dont nous avons besoin, ce sont des garderies, un régime d'assurance médicaments, un revenu vital garanti et une transition rapide vers une économie d'énergie renouvelable. Vous pouvez en apprendre davantage sur notre vision d'une politique étrangère juste et véritablement canadienne en visitant notre site web équipedimitri.ca. C'est le temps d'agir. Veuillez rejoindre notre mouvement.